Bon, du coup hier quand j'ai arrêté le stream, je suis pas parti dormir bien évidemment, parce que moi je fais tout le temps des trucs à côté. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fameuse clé rouge que j'ai trouvée, hein, après quelques recherches. Et quand j'ai trouvé, j'ai pas voulu aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin, mais finalement, je me suis dit, on va le faire ensemble. Ça va vous faire plaisir peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Pour ma chaîne, voilà. Tous ceux qui me suivent. Attendez 2 secondes. Va mettre ça comme ça. On va le faire en hard mode. Allez, on est chaud. Mais déjà, j'ai envie de voir si le son va être ultra fort ou non. Ah, mais pourquoi sur mon téléphone il... Oh, mon téléphone il veut pas. Il veut pas lancer, hein. Attends. Alors, le son ça devrait être bon, normalement. Ouais. Vas-y. Non, peut-être que je vais baisser un tout petit peu. Comme ça. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais si dans le jeu je mets deux players au lieu de un player, ça fait ça. Voilà. Ça c'est pour vous réveiller, bon. Allez, réveillez-vous là. Bon, allez. Ben, c'est normal. Deux joueurs automatiquement, étant donné que Luigi se barre. Ah, je suis un connard, hein, je sais. On me le dit souvent, merci. Bon. Oh là là. Bon. Allez, on va chercher la clé. Et en fait, la clé... Enfin, la clé rouge, je sais même pas si je vais la trouver en fait. Je sais... Enfin, j'ai trouvé un passage. Mais je vais pas aller plus loin. Mais c'est peut-être le passage où la clé sera. Et en fait, la question qu'il fallait se poser... C'est pas, tiens, où est la clé rouge pour qu'on puisse prendre la porte? Est-ce qu'on doit entrer par l'endroit où on a vu la clé rouge? Ou est-ce que cette porte qu'on a vue, ce serait pas la sortie d'un endroit où on doit aller? Je sais pas si vous avez compris. En fait, enfin, la porte rouge qu'on a vue, peut-être que c'est pas une entrée, mais une sortie. Ça veut dire que, en fait, il faut trouver un autre endroit pour arriver là-bas. Et bah vous allez voir. Vous allez voir, j'ai trouvé assez rapidement finalement. Ça a pris 5 minutes, même pas. J'ai commencé à faire ma petite exploration. De toute façon, toi, tu es au courant. Voilà. J'ai lancé le jeu, bien, j'ai trouvé. J'aurais aimé relancer le stream, mais vu l'heure, je me suis dit, écoute, vous allez dormir, quoi. Bon, vous allez voir. En fait, ce qu'il faut faire, c'est... En fait, c'est dans ce monde-là qu'on va trouver un chemin qui est différent. Et en fait, au lieu d'aller là-bas, il faut retourner en arrière. Et on voit qu'en fait, il y a des blocs ici qui sont apparus.
n'était pas là avant. Oh là là, ça c'est chiant par contre. Voilà. Et là, du coup, il faut continuer la route. Tranquillement. Et là, on arrive ici. Vous allez voir. Alors là, on dirait le monde de Megaman. Alors là, on est carrément dans un autre univers, quoi. Je pense que c'est un petit easter egg, du coup. Oh non. Bon, c'est pas grave. On dirait qu'on est sorti en fait de l'univers de Mario, quoi. On est parti dans un out of bound, pour ceux qui comprennent l'anglais. On dirait même plus une creepypasta à ce stade. Hein. Pas trouvé la clé, quoi. Attends, on va recommencer le truc. J'ai fouillé quand même dans le monde X là, parce que là j'ai pas trouvé la clé, j'ai rien trouvé là. Vous n'allez pas me dire que ce monde n'a rien à voir avec la clé quand même, il y a quand même quelque chose. Enfin j'espère, hein, parce que sinon... on est perdu, quoi. Ouais bon, on va retourner dans le monde X, on va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs à trouver, on sait jamais. Peut-être ici, je sais pas. La porte, elle est dans le monde... un S, je pense, un truc comme ça. Mais je pense que la clé rouge, elle doit être quelque part ici, hein, c'est... Ils ont pas mis ce truc-là par hasard, quoi. Thank you.
Ouais, j'essaie de chercher, on sait jamais. Ah là là. Ouais, je sais pas, peut-être que ça va débloquer quelque chose ensuite. Hein. Qui sait, peut-être que maintenant il faut que je continue la route tranquillement et normalement. Bon, on va voir de toute façon. Parce que peut-être qu'en passant dans ce monde-là, j'ai débloqué quelque chose, tu vois. Sait-on jamais. Après, quand je vais devoir faire le succès sur Mario All-Star, parce que, comme j'ai dit, en fait, ces graphismes-là, là, de Mario, c'est, comme j'avais dit, ça vient de la version Super NES, où il y avait plusieurs Super Mario, enfin les premiers Super Mario combinés, mais avec des graphismes différents, qui étaient comme ça. Et je pense qu'il y a au moins 106 succès, donc il y en aura des choses à faire. Hein. Mais normalement, ça devrait être assez rapide, puisque... On est quand même assez entraîné maintenant, hein, à force de faire tous les Mario d'avant là, où on a galéré, j'ai bien souffert. Et là, comme je suis en hard, faut vraiment que je me barre parce que là, c'est pas. En tout cas, j'espère que le créateur n'est pas sadique au point d'avoir caché un tuyau à l'endroit où il y a Luigi qui me course. Ouais, voilà, c'est ici. Alors peut-être que maintenant il y aura une clé rouge, je ne sais pas. Mais on va voir de toute façon. Ou peut-être qu'il faut avoir toutes les pièces. Qui sait? Parce que les pièces, pourquoi elles sont là? Si elles sont là, les pièces, c'est bien pour une raison. Genre le gars commence à faire des théories, tu vois. La légende raconte qu'il faut asperger la clé de sang. Afin que... Genre le gars commence à raconter n'importe quoi, tu vois. Bon, on va voir de toute façon. T'inquiète, je suis entraîné, tu peux pas m'avoir, non! Ah. Allez hop, ça dégage. Attendez. On va essayer de voir un truc quand même. On est curieux ici. Attends. On va continuer comme si de rien n'était.
Ouais, je commence à être parano, hein. J'essaie de voir partout, on sait jamais. Ah, peut-être que la porte s'est ouverte. En fait, peut-être que la porte s'est ouverte par la suite, hein. Qui sait? On va voir de toute façon. Oh, mais là, j'ai mis en hard, donc il est bien plus rapide en fait. Ouais, elle est encore fermée là. On verra s'il y a quelque chose de changé, on sait jamais. Comme j'ai dit. Là, je vais avoir du mal à le semer. Cet endroit-là, c'est l'endroit le plus dur où... Où Ludi peut me choper. C'est vraiment ici et pas ailleurs. Ouais, je regarde partout, hein, je te dis. Bon. Tu sais que j'ai calculé qu'il faut sauter ici pour être précis. Voilà. Ah! Et en hard, c'est tellement chaud. Je vous promets. Attends, je prends toutes les pièces. Ah oui, parce que là, c'est en hard, donc il est deux fois plus rapide. 2,5, je pense. C'est pas évident, hein. Pas que je panique en fait. Parce que là c'est limite du pixel près quoi. Bon. Non, 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 non. J'ai cherché les pièces. Comme j'ai dit, on sait jamais. Le seul truc que j'ai pas testé, c'est avoir toutes les pièces. Donc c'est la seule logique que je peux retenir. Sinon, après, j'aurais plus d'idées personnellement. Ouais, j'essaie de voir des trucs, hein, comme toujours, hein. Je sais, hein, je dis j'ai qu'une idée, mais en fait, bon, dès qu'il y a quelque chose. Allez. Cette fois-ci, je vais pas paniquer, je vais rester calme. Je vais faire comme s'il y avait rien derrière moi. Parce que c'est ça qui m'a pris de court. J'étais juste à côté, quoi. Juste à côté de l'endroit où je devais me cacher. Ah, c'est horrible. Moi, je vais chercher de suite les pièces, hein. Voilà, prends pas la tête. Peut-être que... Attends. J'ai encore une autre idée. Une idée de génie d'Aladin. Je suis pas sûr, mais j'ai une idée. Peut-être qu'il faut se cacher tout en bas.
Parce que ça aussi, c'était une question que je me posais. Il y a... C'est quoi? Je vais le faire en normal. Pour être sûr d'avoir moins de problèmes. T'inquiète, ça va pas me prendre longtemps. Tac. Parce que y a un truc en bas où on peut se cacher. Et bizarrement, c'est vrai que c'est bizarre, tu vois. S'il y a un truc pour se cacher, c'est qu'il y a une raison. Et si je trouve toujours pas, on ira sur un autre jeu ensuite. Vous inquiétez pas. Hein. Bon. Ouais, j'essaye vraiment de prendre toutes les pièces et tuer tous les monstres. On va faire le ménage. Pourquoi re... Ah, t'étais parti. Ouais, franchement, ouais. Mais des chaussettes aussi, hein. Très important de se couvrir les pieds quand il fait froid. Comme j'ai dit, c'est les extrémités qu'il faut couvrir. Bon. On va repasser par là pour au moins être sûr que le jeu se dise oui, j'ai bien pris ce chemin-là au moins une fois. Moi, j'essaie quand même toujours de chercher, hein. Je sais que je prends la tête, mais bon. Parce que c'est bizarre qu'il y ait des trucs comme ça, tu vois. En fait, à chaque fois que je vois quelque chose, je me pose des questions. Hein. Là.
un truc ici. Normalement, il y a un truc de contrôle comme ça, il y a forcément... Je sais pas. Bon, allez. On fait le chemin de base. Si j'appuie pas et que je reviens. Voilà. Je pensais qu'il allait avoir le truc qui allait tomber quand même. Ah, ils vont vraiment se trafiquer l'outil. Hein. Mais pourquoi t'aimes bien? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà. Alors, je vais essayer de me cacher comme j'ai dit. Tout en bas. Je prends ça comme ça, si je me fais toucher, je suis pas mort, quoi. Bon, allez. Ouais, vas-y. Ça sert à rien, en fait. Enfin, je vois pas la diff, en fait. Bon, pas grave. Je continue. Je peux compter maintenant que sur l'histoire de prendre toutes les pièces. C'est la seule chose qui me reste là. Bon. Thank you.
Il a failli me toucher, j'étais à deux doigts, quoi. Tu sais quoi? Je pense que il y a peut-être un des... Genre, si lui tombe... Je sais pas. Enfin, je me pose des questions encore. Parce que les statues, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais les statues... Même là, c'est bizarre que ça soit... Peut-être que c'est qu'un vieux bug, hein, mais... Même là, j'ai tapé tous les... Tu vois, je me suis dit, il y a peut-être... un bloc. Même pas. Bon. On teste tout, hein. Ouais, et j'ai une clé violette, tu vois. Et c'est ça qui me saoule. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre endroit où j'ai pas... Vérifier, on sait jamais.
La clé rouge. Elle était apparue. En fait, elle apparaît tout à la fin, d'accord. Bon. Allez, on va voir ce qu'il y a maintenant dans la fameuse porte là, qui me trigger depuis beaucoup trop longtemps. Écran noir. Oula! Je suis devenu Luigi, qui s'appelle apparemment Sophie. Oula! Qui suis-je? Ok. Je fasse gaffe. Parce qu'il y a des... Je vois qu'il y a des trous... C'est bizarre. Je ne me souviens de rien. Enfin, c'est anything que je... Enfin, je me souviens pas plus. Cet accident est... Et ensuite, enfin je sais, je pense que c'est... J'essaie de traduire à l'arrache, hein, mais bon. Ensuite... Il... Je sais pas. Barney, apprends-moi l'anglais, s'il te plaît. On voit que le niveau, il casse la tête. Hein. Maintenant, je me souviens. Ah, il y a des pics là. Il ne m'a jamais aimé. Bon. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, comment dire, le joueur 1, en fait, c'est un gars qui s'appelle Thomas, dans la vraie vie, qui prenait Mario. Et en fait, t'avais une amie qui s'appelait Sophie qui prenait Luigi et qui jouait ensemble. Moi, c'est ce que je comprends, personnellement. Un peu étrange là cette histoire. Hein. Je...
je veux qu'il paye, en gros. Ou je vais le faire payer, je pense. Enfin, c'est le principe de la phrase, c'est un truc comme ça. Il me dessert, peut-être. On comprend un peu mieux l'histoire, en fait. Du coup, en fait, quand on joue Mario, en fait, on joue méchant, en réalité. Et Luigi, du coup, en fait, c'est la fille. Et maintenant, on comprend mieux l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, si je résume bien, le jeu Mario, t'avais quelqu'un qui prenait Mario, t'avais un gars, et t'avais une fille qui s'appelle Sophie, qui prenait Luigi. Et en jouant ça, en fait, on apprend qu'il y a apparemment... que Thomas, en gros, arrêtait pas d'embêter Sophie. Tu vois. Et donc, au final, bah, il veut qu'il... Enfin, elle veut lui faire payer. Mais franchement, le jeu, il est pas mal, hein. Franchement, il y a des... Donc, en fait, l'endroit où on était parti, ça avait rien à voir, quoi. C'était juste un... Tout au début, là, le monde X. Où on dirait on est dans Megaman. Ça, c'était un autre truc qui avait rien à voir, du coup. Si je comprends bien. De ce que j'ai vu, quoi. Bah après, on n'a pas toute l'histoire, quoi. Mais le gars et la fille qu'on a vu à un moment donné quand j'étais avec Luigi, bon, le gars, ça doit être Thomas, et la fille, ça doit être Sophie, quoi. Et apparemment, bon, elle l'embêtait. Après, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, ils vont pas... Mais il y avait une image où on voyait, en gros, le gars qui avait pris le nounours de la fille et qui l'embêtait, quoi. Au point de la faire pleurer, si je comprends bien. Après c'est une creepypasta, c'est un jeu, hein, c'est pas non plus... Voilà quoi. Peut-être tu dois être ici heureux après tout, tu peux rester en vie, je pense que c'est un truc comme ça, sans moi. Mais de ce que je comprends, du coup Sophie est morte, parce qu'en fait c'est les parties qu'on a récupéré là dans quand Luigi nous coursait, en fait. Étant donné que Luigi c'est Sophie, peut-être que en fait c'est en gros tu récupères ses parties et enfin de ce que je comprends, quoi. Peut-être que bientôt je vais jouer à Mario All-Star, hein, comme ça au moins il y aura plein de succès à faire, on s'amusera à les faire.
Mais tu vois, mais après, moi, je me dis, ouais, bon, j'ai du mal à cerner, en fait. Parce que c'est ce que je me dis, mais après, dans le jeu, il y a Sophie elle-même. Donc, est-ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, sa vengeance, c'est ça, quoi. Voilà. Ah, je sais pas, c'est peut-être le but du jeu, hein, je sais pas. Hein. Mais voilà, bon. Ok. Bon, la seule chose que je vais devoir faire sur le jeu, que je vais pas faire tout de suite, c'est faire un perfect mais en hard. Ce qui va être dur, on va pas se mentir. Je vous dis qu'une course. Mais je vais pas recommencer maintenant parce que sinon ça va être trop redondant. Tu vois, il faut mettre un peu de pause entre chaque chose. Ça rime.